Il est 19h30 à Meerbusch, dans l'ouest de l'Allemagne, quand un train avec à son bord 150 passagers rentre en collision avec un train de fret. Heureusement, le conducteur a réussi à stopper son convoi avant qu'il ne s'encastre complètement. Selon la police, 47 personnes auraient été blessées, mais seulement 3, plus grièvement. Le train de passagers, en percutant l'autre train, a fait dérailler les deux derniers wagons de marchandises. L'un d'eux est sorti des voies et a roulé en contrebas. Il a embarqué une section de câbles électriques aériens. Selon les médias allemands, il semblerait que pour une raison encore inconnue, le train de fret se soit retrouvé sur la voie de l'express régional. Dans un message sur les réseaux sociaux, Angela Merkel s'est dit attentive à l'évolution de la situation. En mai dernier, déjà 7 personnes avaient été légèrement blessées lors du déraillement d'un train dans l'est du pays.